Tournage témoignage, topo vidéo, prise une. Je m'appelle Victor Leroux, je travaille chez Sagi en tant que Product Marketing Manager. Sagi, c'est une plateforme DataOps qui permet aux entreprises de déployer plus rapidement leurs projets data en production. On a un produit qui est assez complexe à appréhender et du coup, l'une des principales problématiques, c'était de vulgariser notre produit et du coup de l'expliquer dans des termes assez simples avec un haut niveau en 1 minute 30, ce qui est assez complexe. Ces vidéos ont été utilisées sur notre site web, donc c'était un peu comme la porte d'entrée vers notre produit sur nos pages produits. Et ensuite, on l'utilisait à chaque fois qu'on faisait des salons. Ça attirait l'œil des passants et ça nous permettait ensuite d'engager des conversations. Les retours qu'on a eus en interne étaient plutôt très positifs parce que ça permet d'avoir une bonne introduction au produit, ça les valorise dans un format assez dynamique. Et après, du coup, les retours aussi plutôt en externe, c'était un peu équivalent. Donc globalement, des retours plutôt très positifs et qui ont rempli les objectifs. On avait aussi des formats qui étaient à la fois en français et en anglais pour correspondre à deux versions du site. On la faisait évoluer, donc on avait à chaque fois une nouvelle version une fois par an. Mon étape préférée, c'est la construction du storyboard. C'est là où on va vraiment réfléchir à ce qu'on veut présenter. On a hâte de voir le rendu. Mon conseil pour se lancer dans un projet vidéo, c'est d'avoir déjà une idée assez claire des messages qu'on veut faire passer. Et du coup, vraiment se laisser conseiller sur le format pour le bon support aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Topo Vidéo, c'est déjà la réactivité et la gestion de projet. Et du coup, ça facilite beaucoup les échanges. Et si j'avais une nouvelle vidéo à produire, je pense que je pourrais faire appel à Topo Vidéo parce que ça s'est toujours très bien passé. Le rendu était toujours à la hauteur de nos espérances et avec des bons retours. Donc, ça serait avec plaisir.